Chers amis, bonjour, ici le colonel Vonnegut. Bon, ça chauffe à nouveau dans la marmite, hein. Alors qu'on se félicitait tous de l'apparente victoire de Poutine et Assad en Syrie, et de voir que Donald Trump commençait à se rapprocher du président Poutine, voilà-t-il pas que Assad décide de gazer ses propres gens. Excusez-moi, je rigole, mais c'est pas drôle. C'est-à-dire que... Alors, bon, sans être forcément un grand fan de Assad ni de Poutine, hein, ce n'est pas du tout mon propos, j'aimerais bien comprendre à quel point, en fait, on peut être un homme politique, donc un chef d'État, et décider d'aller gazer son propre peuple, même si c'est des rebelles. Surtout à un moment où, en fait, en réalité, tout est en train de se calmer, etc. Faut vraiment être un sacré débile mental, quand même. Hein. Bon. Alors, bon, moi, je ne suis pas analyste politique, hein, j'observe, hein, juste. C'est vrai qu'il devient parfois difficile de ne pas prendre la défense de Assad et Poutine, tellement les médias grand public se foutent de notre gueule, quand même, parce qu'on se fout vraiment de notre gueule. Hein. Par exemple, avec l'histoire de la victoire d'Orban. Hein. Alors, je suis pas très très attaché au principe électif, donc je n'applaudis pas forcément une victoire à des élections, mais bon, je préfère Orban à Macron, hein, faut pas déconner, et si cela peut contrer la marche des mondialistes satanistes, hein, qui nous préparent encore de belles saloperies, et ben moi je le dis, bravo Orban, hein, c'est très bien. Alors, concernant la Syrie et la Libye, nous hébergeons sur notre propre sol notre lot de criminels, et en creusant un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a de curieuses similitudes entre les nôtres et ceux qu'il y a aux États-Unis. Alors, comment des types comme BHL ou Kouchner peuvent-ils se dire humanistes, hein, on se pose la question. Si demain, en fait, je balance sur les réseaux sociaux qu'une bonne bombe sur l'Angleterre serait une bonne chose pour la monarchie. Hein. Bon, d'abord, on m'entendrait pas forcément. Hein. Je suis quand même un espèce de lambda avec des vidéos à 70 vues. Mais bon, admettons qu'on m'entende. À part me faire traiter d'infâme facho nazi blanc cisgenre suprémaciste ou je sais pas quelle autre connerie issue d'une novlangue, ça marcherait pas bien. Mais par contre, s'il faut aller buter des civils, des hommes, femmes, enfants, au nom de la démocratie, alors là, tout le monde va applaudir dès demain, et s'il pouvait, il le ferait aussi avec les pieds, hein, s'ils étaient des singes. Mais, bah, pauvres singes, bon, désolé. Moi, j'ai de la chance, je suis à la fois un artiste engagé et dégagé, hein, pour paraphraser des proches. Ah ouais, on n'en fait plus, hein, des proches. Vous imaginez le nombre de procès qu'il aurait sur le cul, le Pierrot, là. Moi, je ne me réjouis pas de la mort d'hommes, d'enfants et de femmes. Je n'ai qu'à regarder mon petit bout de chou avec sa tête d'ange barbouillée de chocolat et là, un terrible étau glacial se serre sur mon cœur. Alors non, je ne me réjouis pas de la mort de musulmans. Hein. J'espère que ça vous choque pas trop. Je ne me réjouis de la mort de quiconque, d'ailleurs. Hein. Bon, ok. Il y aurait peut-être quelques petites exceptions. Hein. J'avoue. Hein, mais en tout cas, ça n'aurait pas trait à leur religion. Et là encore, précisons une ou deux petites choses. Je suis intimement persuadé qu'une grande majorité de ces gens sont tellement pourris que la population mondiale, si elle l'apprend un jour, hein, c'est vrai que j'ai un peu tendance à en douter, il y aurait peut-être intérêt à ce que les gens ne découvrent pas d'un coup tout ça. Hein, ou alors à petite dose. Parce que soit en fait, ça assommerait tout le monde d'un coup et on n'y croirait pas, ce qui est possible. Ou alors, ça créerait un tel bordel que... Bref. Oups, c'est peut-être même la solution. Hein. Faut peut-être qu'un jour, Assange balance tout. Mais bon, là encore,
Il faudrait que des gens l'entendent. Hein, parce que je ne sais pas si vous êtes allé faire un petit tour en curieux sur Wikileaks. Moi, je suis allé faire un petit tour sur Wikileaks. Je suis allé voir les emails de. Enfin, ce qu'on a récupéré d'Hillary Clinton. Et ceux aussi de Macron. Alors, curieusement, il en manque un paquet. Hein. Le moteur de recherche, il fonctionne pas très très bien. C'est un peu bizarre. Mais ma foi, j'ai quand même lu des trucs assez intéressants. Bon, je vous renvoie aux différentes affaires qui sont en train de pointer leur nez. En tout cas pour le moment aux États-Unis. On peut toujours espérer que on ait les mêmes qui arrivent en France, mais pour le moment, on n'a pas trop de chance, hein. Si vous parlez l'anglais, je vous conseille d'aller faire un tour sur le site de Jérôme Corsi, OSGT Report, dont j'ai déjà parlé. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a James Perloff, par exemple, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Truth is a Lonely Warrior, qui traite en fait de toute la série en fait d'attaques sous faux drapeau qui émaillent l'histoire des États-Unis. Hein. Ça commence très très tôt avec l'explosion de l'USS Maine, qui a conduit à un sacré conflit derrière. Hein, cherchez USS Maine. Vous avez également ce qui a déclenché la guerre de Corée. Vous avez le fameux incident du golfe du Tonkin. Bon, il y en a plein jusqu'à très très récemment. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin de fédérer une opinion publique et donc bon, on fait péter deux trois trucs. Et bizarrement, tout ça passe très très bien. Alors, intéressez-vous aussi à des choses comme le Serco. C'est une boîte privée qui assure des services pour tous les services pour tous les services publics en fait, pour les gouvernements. Et ils sont focalisés dans cinq secteurs, hein, la défense, la justice et l'immigration, les transports, la santé et les services aux citoyens. Hein. C'est une boutique privée, hein, c'est pas, ça n'a rien à voir avec une organisation gouvernementale. Et donc, ils opèrent sur les cinq continents. Enfin, allez faire un tour sur leur site, vous verrez, c'est génial. Vous avez un autre truc qui s'appelle Senior Executive Service. Et ça aussi, c'est pas mal, hein, c'est des gens d'une boîte privée, en fait, qui gèrent les institutions américaines. Et vous avez une boîte de Rockefeller aussi qui s'appelle International Executive Service Corps. Pareil, hein, c'est des boîtes privées qui gèrent les services publics et qui font du conseil à tout un tas de gouvernements à l'étranger. Alors c'est marrant parce que la souveraineté des États, on a tendance à se poser des questions quand même. Mais faites vos propres petites recherches là-dessus, vous verrez, c'est très amusant. Hein. Il y a une vidéo de Jérôme Corsi là-dessus, notamment sur le Senior Executive Service, avec une dame liée à des scandales assez glauques. En fait, j'ai cru comprendre que il voulait notre cher président Macron, hein, la petite marionnette là, essayer de privatiser tout un tas de services. Hein, on a les amendes, je crois qu'il y a ça. Et puis j'ai entendu parler des, alors je sais plus où c'était, je suis désolé, des services de renseignement. Hein, il voudrait bien privatiser ça. Bah ouais, alors, allons-y, c'est génial. Bon, c'est vrai qu'en Europe ils peuvent pas vraiment faire comme aux US. Parce que l'interpénétration du monde de l'entreprise et du gouvernement est pas aussi forte. Alors c'est vrai qu'ils le font via tout un tas de sociétés, de boîtes de com, ou de services de sociétés de sondage, etc. Ou alors de conseillers spéciaux, comme l'inénarrable Attali, hein. Qui quand même, ce gars est proche du Morbac, hein. Il en est pas très très loin, dans le sens où les gouvernements changent, mais il est là, il s'accroche au poil, il tient, de gouvernement en gouvernement, c'est beau, c'est beau, bravo. Donc,
Voilà, toute cette clique d'infâmes salopards continue leur œuvre de destruction, tranquillement. Hein. Alors, bon, pour repartir dans le Moyen-Orient, hein, ce sont bien des républiques démocratiques hein, qui gentiment, avec la précision chirurgicale du monde moderne, bousillent la région, bousillent l'Afrique dans son entièreté. Hein, c'est un sacré réservoir. C'est parfait, l'Afrique. Grand terrain de jeu, on peut faire tout un tas d'expériences à la con dedans, tester de l'armement, tester des armes bactériologiques, des vaccins, que sais-je. Avec des conséquences intéressantes, hein, ça projette les gens sur les routes, ça nous les envoie chez nous. Comme ça, bon bah, on est tranquille, hein, notre vieille Europe se retrouve assaillie de toutes parts et on peut, de cette façon-là, chocolatiser un petit peu toute la population. Et un petit peu mieux à contrôler. Alors, pour en revenir à ce qui est en train de se passer en Syrie, il faut revenir un petit peu en arrière avec ce qu'on appelle le Project for a New American Century. Ça, c'est un truc très intéressant. Ça date des années 90. Je vous en parle un petit peu. Donc, le PNAC est un, donc c'est un think tank, un réservoir de pensée, comme on dit. Il a vu le jour sous l'administration Bush. Et parmi les membres du PNAC, on a trouvé des gens comme Dick Cheney, Donald Rumsfeld et Paul Wolfowitz notamment, mais pas que, hein, l'ancien directeur de la CIA, James Woolsey, et John Bolton, qui vient juste d'être appointé au Conseil de sécurité pour le président Trump. Le but avoué et exact du PNAC, c'est donc de utiliser la puissance américaine pour prendre le contrôle du Moyen-Orient. Hein? Et cela en déclenchant tout un tas de choses, tout un tas d'événements et de déstabilisation, d'opérations de déstabilisation. Je vous renvoie à la vidéo du général Wesley Clark, hein, qui est retraité de l'armée des États-Unis. J'ai trouvé une vidéo où c'est traduit en français, je vous la mettrai en lien. Où il explique hein, le plan. Hein, pour déstabiliser toute une série de pays. Hein, c'est quand même un truc qui date de 2007. Hein, donc, on est quand même 11 ans plus tard. Si ce monsieur, si le général Clark avait eu je sais pas, un coup de délirium très mince et s'était mis à raconter ses souvenirs de guerre, c'est pas exactement ça. Hein. 11 ans plus tard, on s'aperçoit que il y a tout un tas d'événements qui se sont passés et qui corroborent pas mal ce qu'il raconte. Alors on peut vous raconter tout un tas de conneries sur comment dire la mission quasi divine que les États démocratiques ont d'aller faire le ménage dans ces pays parce que Assad est un infâme salopard ou Saddam Hussein ou Kadhafi. Enfin, regardez ce qui est arrivé à Kadhafi, hein, il s'est fait lyncher, enfin, c'était d'une, je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais c'est d'une violence incroyable. Et le PNAC, c'est pas une vue de l'esprit, hein. Ce sont des gens, ils publient des papiers quand même. Hein. Oui, parce que, en fait, rien n'est jamais caché. Hein. Tous ces gens-là, enfin, ils sont très très contents de leur connerie. Hein. Et ils publient des papiers, ils font des articles et tout. Alors, bon, j'en ai chopé un petit morceau. Donc, alors, le but du PNAC, le but avoué, est clair, net et précis, est donc de déstabiliser la zone par des manœuvres politiques, mais aussi par la guerre. Et dès l'accession de Bush au pouvoir, plusieurs membres de son administration en ont ouvertement parlé. Mais en 2001, il n'y avait pas de justification légale ou morale pour faire ce genre de choses. Alors, tout ça est confirmé hein, par un extrait d'un des papiers du PNAC qui s'appelle Reconstruire les défenses de l'Amérique. Hein? Donc, y a un chapitre, c'est Creating Tomorrow Dominant Force, donc créer la force dominante de demain. Et je cite, En outre, le processus de transformation, même s'il entraîne un changement révolutionnaire, risque d'être long. En l'absence d'un événement catastrophique et catalyseur comme un nouveau Pearl Harbor. Ouais, un nouveau Pearl Harbor, tu vois. C'est marrant parce que moi je me souviens avoir lu un bouquin, il y a des années et des années, j'arrive même plus, j'ai recherché l'auteur, j'arrive même plus à me souvenir. C'était un ancien haut gradé
de la marine des États-Unis qui c'est un des premiers à avoir ouvert la boîte de Pandore en disant non, non, mais. Il a fait un bouquin, le bouquin est énorme, hein. Je fais un truc comme 500 pages, où il détaille tout. Alors, j'ai dû lire ça, ça devait être, je pense, dans les années 95, un truc comme ça. Et j'ai, à l'époque, quand on lisait, bon, il n'y avait pas toute la foison, le foisonnement d'informations qu'on pouvait trouver sur Internet, donc à cette époque-là, on lisait encore des livres. Hein. Et on n'écoutait pas un espèce de crétin avec la voix éraillée par la cigarette, raconter tout un tas de choses sur Internet. Donc, en fait, il expliquait en détail à quel point, en fait, Pearl Harbor n'était qu'un. Enfin, l'histoire officielle de Pearl Harbor n'était qu'un tissu de conneries. Et c'est vrai que, de manière assez simple, Pearl Harbor entraîne les Américains dans la guerre. Hein, ça, c'est. Bon. Et puis, depuis, tout un tas de rumeurs ont fait surface. Et bon, je pense que d'une manière générale, les gens. Ont compris que Pearl Harbor n'était pas forcément ce qu'on nous racontait, et que même si l'attaque japonaise a eu lieu, apparemment, Roosevelt était bien au courant que ça allait se passer, et ça l'arrangeait un petit peu que ça se passe comme ça. Hein. Bon, en attendant, il y a tout un tas de types qui se sont fait trouer la paillasse. Hein, vous pouvez regarder ce magnifique film, Pearl Harbor, ouh là là, c'est fou. Moi j'étais... J'ai du mal, hein, quand même. On m'a un peu forcé à le regarder. Bref. Donc, on voit bien du propre aveu de Pinnack qu'il faut absolument un événement catalyseur pour pouvoir balancer toute la puissance de l'armée des États-Unis au Moyen-Orient. Et les gentils petits toutous, que sont l'Angleterre en apparence, et la France, ça c'est certain, puis tous les l'Europe politique. Donc, se sont précipités à la curée pour sauver le bon peuple d'Irak. Hein. Bon, on a vu ce que ça a donné. Hein. On les a bien bien sauvés, hein, tous. Ils sont super sauvés. Ils sont sauvés à mort, hein, d'ailleurs. Ça pourrait être un slogan. Hein. Nous allons vous sauver à mort. Ouais, non, ça pue. Donc ils avaient besoin de ce gros événement catalyseur pour que l'opinion publique américaine, le peuple américain, leur donne les coups des franches pour aller foutre le bordel là-bas. Et ce faisant, moi je sais pas si quel âge vous aviez à cette époque-là, mais moi j'étais scotché littéralement à la radio. C'était la guerre, quoi. Je me souviens à l'époque, j'étais môme, hein. Je suis resté la nuit entière, hein, écouter les événements à la radio, dans ma petite chambre d'écolier. C'était quelque chose. Et bon bah. Hein, ils ont sauvé tout le monde. Et donc là, en fait, ils nous en remettent une couche. Hein. Donc on va focaliser sur les événements qui prennent place aujourd'hui dans le secteur. Donc le secteur en question, c'est un secteur proche de Damas, hein, qui s'appelle la région de la Ghouta. Donc là, la volonté, c'est donc augmenter le niveau de tension, le niveau de la guerre. Donc en 2012, la CIA a coordonné une attaque par une milice qu'elle supportait sur Ghouta. C'est une des premières régions à être prise, juste à l'extérieur de la capitale. En 2013, ces rebelles, aidés par la CIA, ont pris Ghouta, piégeant ainsi à peu près 400 000 civils. Et depuis 2013, ces rebelles subissent le siège de l'armée syrienne. L'armée syrienne a donc essayé de libérer les captifs donc de Ghouta Est, depuis ce moment-là, hein, Douma. Et ce groupe de rebelles, hein, appuyé par les US, s'appelle donc Jaish al-Islam. Voilà. Donc ils sont basés à Douma, ils sont donc affiliés à Al-Qaïda, et ils sont environ 15 000 combattants. Et tous ces mecs-là sont complètement mélangés à la population. Et du coup, forcément, il y a des milliers de morts parmi les civils. Il y a des vidéos qui circulent de personnes qui ont pu s'échapper de la zone et qui attestent que les gens de Jaish al-Islam massacrent tout civil qui serait pro-armée israélienne. Hein.
J'ai vu passer tout un tas de petites vidéos comme ça. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens dans cette région-là, enfin bon, c'est pas tous des espèces de fondamentalistes religieux complètement fêlés, hein, c'est des gens comme n'importe qui. En fait, les gens de Jaish al-Islam essayent de mettre en place, là, de forcer donc la charia là-dedans. Ben, si ça se rebelle, et ben il est flingue. Et puis voilà, terminé. Et surtout, faut bien garder en mémoire que ces mecs-là, en fait, sont supportés par, sont aidés, hein, par les États-Unis. Donc, d'après une source que j'ai trouvée sur comment ça s'appelle, Blackstone Intelligence Network, hein, c'est James Morfonios qui explique tout ça. Jake Morfonios, pardon. En juin, donc le 28 juin 2016, John Kerry fait un discours à Aspen, dans le Colorado, et il cite Jaish al-Islam comme étant un des groupes de l'armée de libération. Ouais, bon, c'est pas drôle. C'est le genre de groupe qui, pour se défendre, hein, ils ont montré des vidéos où ils mettaient des civils dans des cages, et ils disposaient les cages autour de la ville comme bouclier humain. Et c'est très pratique pour eux, parce que ça permet d'empêcher l'armée syrienne de faire des frappes aériennes. Mais en plus de ça, si les civils se font tuer, bah, ils peuvent les exhiber en disant « Regardez, hein, l'armée syrienne, ce qu'elle fait comme horreur. » Et c'est pas un truc nouveau. Si vous avez un peu étudié la guerre du Vietnam, c'est aussi pour ça que les Américains évitaient de bombarder le territoire vietnamien tenu par le Viet Minh. Et donc finalement, grâce aux Russes et aux Libanais, du Hezbollah, les Syriens ont réussi à mettre à genoux Jaish al-Islam. Il y avait des pourparlers avec les Russes pour qu'ils finissent par se rendre. Et là, en fait, d'un coup, comme ça, ils se lancent une nouvelle attaque. Et dans les heures qui suivent, sans même qu'il y ait eu la moindre enquête, l'armée israélienne envahit la Syrie et balance des frappes aériennes. Et malheureusement, avec la mise en position de John Bolton comme conseiller à la sécurité de Donald Trump, on a vraiment du souci à se faire. Enfin, toute cette histoire est totalement cousue de fil blanc quand vraiment on y réfléchit. On voit absolument pas quel est l'intérêt pour le gouvernement syrien, alors qu'en fait, il venait de libérer des gens, etc. On voit absolument pas l'intérêt d'aller gazer cet endroit, quoi. C'est quelque chose de dramatique. Donc voilà, mes amis, j'avais envie de faire un petit point sur ce fameux Project for a New American Century. Une fois de plus, rien n'est spontané, hein, c'est assez affligeant de constater ça. Mais bon, j'espère que ils retrouveront, enfin, que certaines personnes retrouveront un peu de raison et que ils n'attaqueront pas la Syrie. La France, apparemment, au moment même où je parle, se prépare à s'aligner comme un gentil petit toutou. Enfin, la France, je ne considère pas que c'est la France. Il y aurait bien sûr des tonnes de choses à rajouter sur le Project for an American Century. Je vous laisserai faire vos recherches de votre côté. Je voudrais pas faire un truc trop long. Avez-vous noté ces derniers jours là, à quel point les médias sont quasiment jouissifs à la perspective d'une guerre? Comment peut-on se réjouir de ce genre de choses? Et il faut citer une fois de plus la phrase de Louis XV. Les Anglais ont été de tout temps les ennemis constants et implacables de notre sang et de notre maison. Nous n'en avons jamais eu de plus dangereux. Et là, l'autre Macron là, voudrait évidemment faire son gentil petit toutou et s'aligner sur eux. L'histoire prend parfois des tournures assez cocasses, vous ne trouvez pas? Je vous dis à bientôt. Vive le roi, vive la France, soyez royalistes.